dans un amphithéâtre René Bazin, grand public. Je pense que tous les orateurs et tous les membres de l'association Angéloquence se réjouissent de voir un tel auditoire. J'ai donc le plaisir d'inaugurer la deuxième édition du concours d'éloquence de l'UCO, autour duquel nous sommes réunis pour entendre, pour écouter des discours mûris depuis maintenant près de 3 semaines par les 6 orateurs qui ont accepté cette charge et qui sont enfin prêts à se jeter dans l'arène. C'est face à vous, cher public, qu'ils s'exprimeront ce soir, qu'ils essaieront de vous convaincre, mais aussi et surtout de vous émouvoir. Vous pouvez donc applaudir, réagir, exprimez-vous, c'est tout l'intérêt du jour. C'est également au jury que les orateurs vont devoir faire face. Ainsi, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Urbain Pensonnier, comédien, ainsi que M. Xavier Pabajot, président du tribunal devant l'instance d'Angers. Nous font également le plaisir d'être présents au sein du jury, Mme Catherine Bondier, substitut général après la Cour d'appel d'Angers, ainsi que Maître Jean de Barry, avocat pénaliste, et enfin, Mme la députée Nicole Durichéra. C'est ainsi à eux que reviendra la tâche de désigner qui, des 6 orateurs, sera le meilleur ce soir. Les sujets sont cette année parfois plus saugrenus que ceux de l'année dernière, mais c'est justement ça qui nous persuade d'avance de la qualité de cette soirée. Je vous prie donc d'accueillir la première étudiante à s'exprimer devant vous, Mademoiselle Noëlle Marchais, étudiante en première année de droit, qui a pour sujet « Peut-on voir rouge en étant vert de rage ?» Le daltonisme. C'est une anomalie de la vision qui affecte la perception des couleurs. Particularité assez problématique, vous me direz, notamment lorsque l'on conduit. En ce qui me concerne, je ne connaissais pas trop cette pathologie jusqu'à récemment, où j'ai fait les magasins avec mon père, qui est une activité assez rare, et je lui montrais un pull dans les tons rouge bordeaux. Et il m'a dit, moi les trucs verdâtres comme ça, j'aime pas trop. Là, j'ai compris qu'il y avait un sérieux problème, soit avec mes goûts, soit avec sa vision. C'est avéré qu'on peut être daltonien. Cependant, le daltonisme ne doit pas être réduit à cette confusion entre le rouge et le vert. Oui, il existe différents degrés, et non, ce n'est pas un réel handicap, je sais de quoi je parle. Mais imaginez un monde sans nuances, plus de couleurs locales, plus de couleurs politiques. Adieu le drapeau bleu-blanc-rouge, bonjour le drapeau blanc. Autre époque, autre signification, vous me direz. Le noir et le blanc font l'uniformité, alors que les couleurs font la diversité. Ce soir, je ne veux pas vous parler accord parfait, mais plutôt contradiction, et j'espère que sans sueur, je réaliserai un discours haut en couleurs. Alors, mesdames et messieurs, chers jury, bonsoir. Peut-on voir rouge en étant vert de rage? Pour ma part, quand j'ai vu ce merveilleux sujet, ça a plutôt été la page blanche. Mais ensuite, je me suis rappelé dans quel pays je vivais et je me suis dit que tout était tout à fait normal. En France, on aime bien les contradictions, surtout dans les expressions. Prudence et mère de sûreté, mais qui ne tentent rien à rien. Les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent, ça semble. On aime bien les couleurs aussi. J'ai passé une nuit blanche à cause de mes idées noires, voire rouge en étant vert de rage. Il est vrai que pour certains propos, la France est la reine des mots. Seulement là où les gens ont une contradiction, je répondrai d'abord précision. Pour commencer, qu'est-ce que c'est voir rouge? Se mettre en colère, d'accord, mais à quel niveau? Le rouge fait référence à l'afflux de sang qui monte à la tête lorsqu'on s'énerve. C'est un sentiment humain et profond, faisant généralement que la personne a souffert et à se défendre. C'est aussi un sentiment qui peut traduire notre impuissance, notre frustration. Nous réagissons tous différemment. Et peut-être que pour certains, la colère est la meilleure solution. Prenons par exemple un des protagonistes principaux dans Alice au pays des merveilles. Juste son surnom, la reine rouge. Il est vrai que sa fleur emblématique est la rose rouge, mais elle est aussi surnommée ainsi parce qu'elle s'énerve fréquemment et le rouge lui monte à la tête. À vrai dire, j'ai toujours eu une peur bleue de ce personnage. Mais il faut croire que l'esprit fantastique de l'Australie commence. En général, nous ne sommes pas très à l'aise en face des personnes en colère. Et si c'est le cas, bravo à vous. En faisant des recherches, je suis tombée sur une étude américaine qui explique que les personnes qui préfèrent la couleur rouge
aurait un caractère plus hostile. Peut-être que la plupart de vos amis sont en réalité des furies. La colère est née pour la destruction commune, disait Sénèque. Elle enferme l'individu et provoque des réactions violentes. On pourrait penser que la colère est une couleur froide, sans émotion et sans scrupules. Alors pourquoi on y associe le rouge, qui est une couleur chaude et agréable? Le rouge, c'est aussi la couleur de la passion, de l'amour. Peut-être que la colère relève d'une certaine passion, relève d'une certaine passion plus ou moins néfaste, un bouillonnement interne qui laisse des traces, un bouillonnement passager ou continuel. Les raisons de la colère de John Steinbeck nous montrent qu'on peut être énervé pendant 400 pages. Mais les bienfaits de la colère de Mac Binder nous apportent une nouvelle vision de cette émotion. Il ne faut pas tout voir en rouge, et cette tire peut rapprocher des gens, en l'occurrence des voisins. La colère est une courte folie, nous disait Horace, un énervement temporaire avec des conséquences plus ou moins contraires. Mais être vert de rage, c'est quoi? La rage, c'est d'abord une maladie, chez les animaux comme chez les humains, qui amène une forme d'agressivité et de compulsion. Mais je ne prendrai pas le risque de vous parler d'éléments plus scientifiques. Pour cela, allez voir un certain monsieur Pasteur, qui lui y a passé des heures. Dans notre cas, la rage est en réalité une forme beaucoup plus sévère de la colère. Elle peut déshumaniser une personne, la rendant comme un animal. Cela reviendrait plus à une douleur sourde et continuelle. À votre avis, pourquoi Hulk est vert? Cette folie et cette véhémence destructrice est associée à la couleur verte. Aux origines de la médecine, c'était associé à la vésicule biliaire. La bile étant de couleur verdâtre, cela donna naissance à l'expression être vert de rage. Le vert est quant à lui une couleur froide, qui importe un sentiment négatif. Mieux vaut avoir une personne en colère en face de vous qu'une personne enragée. Au rage ou désespoir, je me transforme en petit bonhomme vert. Si on suit cette logique, espérons ne jamais rencontrer d'extraterrestres. Ils sont absolument enragés. Être vert de rage, est-ce forcément mauvais? On dit bien la rage de vivre, la rage d'amour, et plus récemment, la rage d'offendre. Dans ce dernier film, un homme, un boxeur, se bat pour récupérer la garde de sa fille. Cette douleur sourde et continuelle dont je parlais tout à l'heure, ici elle est prise comme exemple pour le sport. Quand on veut gagner son match, quand on veut gagner sa course, et qu'on est complètement à bout, qu'est-ce qui nous tient debout? La rage de vaincre. Cette frénésie serait nécessaire pour la vie, car non, cette dernière n'est pas toujours rose. Elle nous donne la force, le tout est de savoir la contrôler. Victor Hugo disait « L'éclat de rire est la dernière ressource de la rage et du désespoir. » Alors où est la limite aux avantages et aux inconvénients apportés par cette agressivité? Pour poursuivre, si les couleurs sont opposées, le rouge étant une couleur froide, le vert une couleur froide. Est-ce que cela veut dire que les expressions le sont aussi? La colère et la rage sont deux émotions distinctes et toutes deux complexes. On peut l'être les deux en même temps car elles s'entremêlent. Personne ne peut être en rage sans être en colère, et cela provoque des réactions démesurées. Ce sont des sentiments qui enveloppent l'ensemble du corps et de l'esprit. Tous vos muscles, tout votre système nerveux vont être sollicités. Prenons un cas concret. Plutôt une personne, en fait. Capable de ressentir plusieurs émotions en même temps. C'est ce qu'on appelle plus communément les mamans. Quand elle vous appelle à table, au bout de la troisième fois, on peut considérer qu'elle voit rouge de colère. Mais imaginez maintenant que même à la troisième annonce, vous n'êtes toujours pas à table et que là, votre mère vient vous chercher. À ce stade, on peut là considérer qu'elle est verte de rage. Et vous, vous êtes blanc comme un ange. La colère et la rage peuvent être comparées à des obstacles qui se dressent devant nous et qui nous bloquent de tout. Pourtant, ce sont nous les premiers fautifs. Ces sentiments sont personnels. Voir rouge en étant vert de rage reviendrait à subir deux émotions fortes, voire destructrices, en même temps. Est-ce humainement possible? On peut voir que ces émotions sont tellement fortes que nous sommes obligés de mettre des couleurs dessus, à défaut de pouvoir mettre des mots.
sur leurs conséquences. Chaque jour, nous devons négocier avec les situations de la vie et il faut adapter notre comportement et nos humeurs. On apprend de nos excès, mais pour cela, il ne faut pas qu'ils nous détruisent. Est-ce que l'on peut vraiment voir quelque chose lorsqu'on est enragé? Tout est brouillé, démesuré, et tout ça pourquoi? Finir comme un arriéré? Bienvenue à Sainte-Anne, merveilleux établissement, où vous n'allez pas rejoindre très longtemps. Notre vision doit rester neutre de nos émotions. En définitive, le fait de voir rouge en étant vert de rage, c'est un débat reposant sur le même principe que pain au chocolat ou chocolatine. On ne saura jamais qui gagne, puisqu'au final, ils ont la même saveur. En étant énervé, avec une couleur de chaque côté des yeux, vous verrez en trois dimensions. De là à savoir si cela vous aidera à mieux vivre votre colère qui s'impose, chacun sa vision des choses. Merci. Historiquement, culturellement, philosophiquement, ça va être assez puissant. Faut-il préférer les chouins aux philippiens? Qu'est-ce qu'une chouin? Selon les philosophes des Lumières éteintes, le rappeur Caris dit la chose suivante. Il n'y a que le boutin, teint, chouin, il n'y a que le boussin, saint, chouin, vrai ou faux saint, saint, chouin. En somme, c'est une vie superficielle qui a mauvais goût. Facile qui se dit d'une femme qui a la moralité sexuelle d'un homme. S'il vous plaît, n'est-ce pas? La turque provient du sud, c'est une espèce endémique. Elle fait partie de polyphonie sudiste aux effluves vanisées qui provoque en nous l'envie d'augmenter notre consommation de smecta. La plupart du temps, la taille de sa poitrine est proportionnelle à la vacuité de ses paroles. Bernanos dit que le projet de la vie moderne consiste à éteindre toute forme de vie intérieure. Et je pense que cette fille en est l'allégorie. Vous commencez à discuter avec elle et elle vous explique que son père est mort 2 ans avant sa naissance, tout en faisant cuire des pâtes dans une poêle, et tout ça sans matière grasse. C'est très rassurant. La chouin est relativiste, elle pense que tout se vaut. C'est vrai, 1 kg de plume équivaut à 1 kg de plomb. Mais tout de suite, on est moins sûr. La chouin est écolo, elle doit rentrer chez elle à Martigues, mais cela en voiture, car elle trouve une profonde inimitié pour les transports en commun. Elle est aussi végane, mais le Big Mac reste son sandwich préféré. Ce genre de fille confond profondeur et ennui, c'est la raison pour laquelle elle lit parfois des livres comme « Ta fille m'appelle papa » ou encore « Ta femme m'appelle chérie ». C'est comme maman j'ai raté l'avion, mais ça fait 30 pages. La seule chose qui retiendra de ces 2 seules lectures, ce sont les initiales de l'auteur. Il faut tout expliquer à cette fille. Pour s'adresser à elle, il faut faciliter la compréhension afin de provoquer la contradiction. Exemple. Chérie, ça te dirait d'aller passer un week-end camping à la Calais? Réponse intéressée. Ah oui, ce serait super, j'adore la Bretagne. Simple, basique. Enracinés au déracinement, les aficionados de la télé-réalité et de l'absurdité chantent de la vulgarité. Ces filles qui se prétendent impertinentes et audacieuses alors qu'elles sont en fait vulgaires et mal polies, pour faire court, elles prennent leurs qualités pour des défauts. Leurs défauts pour des qualités. Je m'appelle Priscilla, j'ai 27 ans et avec les copains, on aime la plage. On adore la farine. Je dirais que mon principal défaut, c'est d'être attachante et j'aimerais devenir princesse. Comment pourrais-je te sortir de l'indigence? Personne ne le peut. C'est ce qu'on appelle une cause perdue. Priscilla, vous êtes une cause perdue. La seule chose que je puisse faire, c'est vous rappeler que le suicide est légal. C'est lourd d'être vivant sans elle. Je me force d'exceller dans l'art de plaire, et elle, c'est plaire sans art.
Elle a conscience que le string est une insulte esthétique à la femme, sans pour autant tomber dans l'écueil de la culotte petit bateau. De la même manière que Eugène de Rastignac surplombant du cimetière du Père-Lachaise, la fille vient au sommet de la colline de sa vie. C'est fin octobre. Elle est gorgée de vitalité, d'abondance. Elle fait en sorte que la vie soit plus légère et me permet, moi, simple homme, misanthrope, ayant pourtant besoin des autres, de faire face aux vicissitudes de la vie. Elle n'a pas abandonné la pratique du piano pour s'adonner à la palpation de rotondités charnues, et c'est tout à son honneur. Elle aime la comédie et foule le plancher des théâtres pendant que la chouane d'à côté bat le pavé. La femme bien est surprenante. Prenons l'exemple d'une fille belgo-bretonne qui a pour habitude de manger des huîtres avec des frites tout en buvant de la bière. C'est aberrant, c'est concernant, mais je dois dire que je suis sous le charme. Elle porte des lunettes qui prouvent au moins qu'elle sait lire. Elle a des cheveux châtains, reflets dorés, des yeux couleur ébène, un nez aquilin, des joues fessues et des fesses joufflues, charmonneusement pulpeuses, un cou mince, des hanches sculptées, des jambes élancées, le pied grec. Quand la jeune femme sort de chez elle, le soleil a plu. Elle éclabousse tout de sa superbe et sa beauté n'a d'égal que son charme. Elle est parfois assise sur la même terrasse du bar dans lequel vous vous trouvez. Cette fille que vous estimez grâce au silence qui vous sépare d'elle est désormais à portée de main. Alors il ne faudra pas compter sur les prétendues valeurs que votre père alcoolique a tenté de vous inculquer en vain, mais bel et bien de faire en sorte que la vérité devienne séduction. D'origine lorraine, j'ai tendance à consommer le picon comme une Porsche le fait avec du sampon. C'est d'affaire une moyenne de 20 litres au 100. Imbibé, désinhibé par l'alcool préalablement ingéré, frôlant la complexie, la périturale de l'esprit est en route, je peux désormais lancer. Alors on va rester là à se contempler sans rien se dire. Sachez que c'est vous qui allez vous laisser la première. J'ai tenté tant bien que mal de faire la part des choses et vous êtes la part des choses. Ici, je ne vois que vous et je ne veux que vous. Très orgueilleusement, j'adore avoir raison, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est qu'on me fasse changer d'avis. On me prouve que j'ai tort face à la crimonie dont je fais trop souvent preuve. Tant d'années ont passé pour finalement découvrir que je n'ai pas vécu. C'est insoutenable. Prouvez-moi que le monde des apparences n'est pas le seul réel, mais que le monde vérité existe bel et bien, même au travers d'un mensonge. Voilà, mademoiselle, je vous ai vu et j'ai deviné que vous m'aimiez déjà, car c'est le rôle d'un homme de deviner l'indevinable. Force est de constater que le ciel est à vos pieds et que je suis à genoux. Voyez ce nuage, arrimons-nous à lui, dérivons vers le sublime, construisons des châteaux en Espagne, au Portugal, là où l'immobilier s'est écroulé. Je crois fondamentalement que je vous aime. Et elle me dira, mais enfin, on ne se connaît pas. Ne pensez-vous pas que vouloir faire connaissance, ce serait l'aveu que le coup de foudre a échoué? Oh, Guillaume. Classique. Alors, il convient de s'intéresser aux choses. Pourquoi un homme ferait-il tout ça? Qu'est-ce qui nous pousse à nous rendre vers une fille facile? À la rigueur, pour remontrer notre ego l'espace d'un instant, faire passer le temps, je ne crois pas. Je pense que c'est l'ennui qui nous pousse à ça. Et l'ennui, c'est la nostalgie du désir. C'est ce sentiment, c'est cette souffrance que l'on ressent quand il n'y a pas de désir. Et alors, qu'est-ce que le désir? C'est très simple à comprendre. C'est vouloir ce que l'on n'a pas ou ce que l'on ne peut pas avoir. Pourquoi les pauvres ont-ils devenir riches? C'est donc l'avenir pour le catholicisme. Mettre sa sensibilité de côté et rester l'homme fort. La fille vient nous met en danger, car elle fait jaillir en nous nos aspérités, notre part de fragilité, notre humanité. La rage, la frustration, le pardon nous empêchent de penser, et la présence de cette femme nous permet d'ignorer le pire en nous pour n'y voir que le meilleur. Grâce à elle, nous pouvons ressentir tous les sentiments. Et elle nous permet d'être vivants et surtout de rester. Alors, quelle est la finalité? Le bonheur est le but ultime de l'être humain. Nous voulons tous mener une vie heureuse. Le plaisir est temporaire, alors que le bonheur est un état stable et durable. On appelle ça l'ataraxie. La satisfaction ultime que procure l'état de bonheur permet la suppression de tous les autres désirs. Le désir du bonheur est lié, à mon sens, à l'amour.
nous sommes condamnés à subir ce désir jusqu'à trouver l'être aimé. C'est dans la nature de l'homme que réside sa finalité. La finalité de l'homme, c'est la réalisation de son essence. Pour ce faire, il faut trouver l'équilibre dont il a besoin. La valeur d'une chose ne réside pas dans ce qu'on gagne en l'obtenant, mais dans ce qu'on paye pour l'obtenir. Voilà pourquoi un homme est prêt à tout, conquérir les luttes de son cœur, peu importe ce qu'il en coûte. À travers le stéréotype de la vie facile dépeint précédemment, il convient de se mettre d'accord sur l'absurdité pourtant nécessaire qui nous pousse, hommes comme femmes, à se tourner vers ce type de personnes dites faciles, à un moment de notre vie. Ce qui fait de nous également des gens faciles à soi-même. Nous avons besoin de ces rencontres pour nous permettre de nous dire que nous avons besoin d'autre chose, quelque chose de plus consistant, une personne sur laquelle nous pouvons nous pencher, nous pouvons nous écrouler, puis nous appuyer pour nous relever par la suite. Il s'agit ici d'humilité, connaître nos limites afin de pouvoir égaler notre destin qui est en fait commun. La personne bien dont nous avons éperdument besoin a suscité en nous l'admiration, ce qui a provoqué un sentiment de désir et qui fera à terme ressentir possiblement l'amour et finalement le bonheur. Ainsi, je tenais à préciser qu'à travers mes propos, bien que capillotractés, que les questions que nous nous posons sont essentielles car elles déterminent notre conduite future. Elles permettent d'obtenir une réponse constructive de manière à avancer dans la vie. Alors, faut-il préférer les chevaux aux filles bien ? Il s'agit là d'une très mauvaise question. La réponse ne réside pas tant dans le choix formellement exprimé, mais implicitement dans le fait de se poser les bonnes questions. Est une grotte où le meurtrier, le voleur et le braqueur
ils trouvent leur repère, à défaut des menottes. Leurs agissements, ainsi, restent cachés, pourrissant avec l'âge, sinon générant des calomnies, comme l'affaire Jacqueline Sauvage. Et je voudrais faire une parenthèse pour nous dire que de tendre la main à ceux qui en ont besoin, sourire et prétendre que tout va bien, jusqu'au jour fatidique, celui que l'on redoutait tant, masquant ce destin que l'on sait tragique, enfoui de juste l'espace d'un instant, avoir toujours gardé cette facette amicale, alors que pendant ce temps, lui, la sachant tremblante, attendait juste qu'elle soit un peu trop posante. Ça, c'est ne pas montrer son mal-être pour faire ressortir ce qu'il y a de plus lumineux. Ça, c'est négliger l'ombre aux dépens du soleil. Ça, c'est être fort en fait. Et ces personnes qui se font détruire de l'intérieur sont à craindre, au même titre que ces rescapés des villes décimées, rejetés par des individus sans envergure qui vont les semer dans les méandres de l'isolement. Faisant bonne figure, les soi-disant grands cœurs sont les premiers à prôner la paix et semblent tolérer ceux qui sont pourtant les premiers touchés par ces égoïstes invétérés. Que ce soit eux, ou les jeunes de banlieue, privés d'une éducation similaire à ceux des écoles coupées, imprimés d'un statut de racaille, stéréotypés, considérés comme du bétail, ne pouvant pas étudier dans de bonnes conditions, subissant de leur plus jeune âge des discriminations, dire qu'ils ont les mêmes chances que nous serait de la fabulation. Ou ceux qui ne se font pas entendre, ou comprendre, comme les sourds, les muets, le sourd muet. Pendant plus d'un siècle, il leur a été interdit d'utiliser la langue des signes. Apparemment, c'était mal considéré de communiquer sans déranger lui d'autrui. Et cette image de débile, que depuis toujours, on leur assigne du fait qu'ils ne perçoivent pas les sons. Alors que les véritables raisons de cette prohibition étaient de 1. Apparemment, la langue des signes ne serait pas une vraie langue. De 2. Qu'elle ne permettrait pas de communiquer avec Dieu. Et de 3. Qu'elle provoquerait la tuberculose. Ainsi, le soleil appelle à la révolte. Les opprimés ne doivent plus se laisser piétiner. Il est temps d'être désinvolte envers ceux qui détruisent ce qui leur était pourtant élu. Pour chaque minorité, c'est toujours le même scénario. Martin Luther King disait: nous devons apprendre à vivre tous ensemble, comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. Heureusement, de nos jours, ces délaissés s'affirment de plus en plus, et avec brio. Néanmoins, il faut savoir que la frontière entre l'ombre et la lumière est souvent mince. Je dirais même que dans notre société, elle est parfois gommée. Le soleil est une étoile qui nous attire, et lorsqu'on s'en rapproche, les dents souvent grincent, que ce soit les nôtres, ou celles d'inconnus, ou parfois même celles de nos êtres aimés. L'ambition peut nous mener à sortir de l'ombre, pour ensuite écraser ceux qui nous encombrent. Le soleil brille, le soleil brille. Il nous aveugle autant que l'argent. Et doré sont les pièces, arrivent sur les gens. Icare, s'aventurant trop près de cette étoile avec ses ailes de cire, pourtant averti par son père des balles, mourra, trahi par son désir de l'inatteignement. Et par ailleurs, être en haut de la pyramide signifie-t-il être heureux? Le poète français Robert Desnos pensait que plus grand est notre fortune, plus sombre est notre sort. Un homme, dénué d'amour, ne possédant rien, sauf la richesse matérielle, se verra, pour toujours, souffrir d'une peine réelle. L'or peut nous éloigner de l'humain. Les liens, ainsi se détruisant, ne laissent place qu'à cette société de demain, celle où le faux est écrasant, créant des relations et n'acceptant pas sa place hors de la lumière. Heureux, il le paraît, car la notoriété est ce à quoi la vie se lève. Les pensées simples s'endorment, puis s'éveillent celles qui nous oblige à nous hisser vers le haut. La réussite pour chacun prend pourtant diverses formes. Le soleil n'est pas obligatoirement conforme en soi pour tout le monde. Ce qui est beau pour l'un est bon pour l'autre, comme ce qui est éthique pour l'un est péché pour l'apôtre. La différence entre les ambitions des individus et ce qui forge notre société. Si le monde entier agissait de la même façon, pensez parce que nous pensons, l'arrivisme viendrait nous hanter.
la question du mérite et notre fait d'avoir sa place au soleil n'est qu'une question d'éveil, celui de notre conscience qui se met à réaliser que ce n'est pas possible pour tous. Mais c'est aussi connaître les limites à ne pas dépasser pour ne pas avoir la haine à tous. Simone Veil disait : nous savons que chaque homme est mortel, mais non que l'humanité doit mourir. La solution est un équilibre à établir. Entre l'ombre, le soleil, celui qui peut nous rendre heureux. Mais pour cela, il faudrait que les mentalités changent. Cela nécessiterait peut-être moins de crainte et plus d'échanges, car la véritable communication pourrait potentiellement nous sauver. Et à quoi bon vivre si le bonheur pour tous demeure une petite chose. À la merci. Monsieur Pavageau, maître de Barry, monsieur Cancelier. Mesdames et messieurs, étudiantes, étudiants, françaises, françaises, mesdames les chouins, mesdames les filles, tous, toutes et tous, chacune et chacun, celles et ceux, parce que c'est notre projet. Papin peut-elle sauver la France? C'est une question qui semble in petto tout à fait croquignolesque. En effet, elle peut paraître au premier abord comique, amusante, et en même temps, elle montre un intérêt et entoure un dessin tout à fait passionnant. Mais au deuxième abord, pour celui qui la traite, cela donne tout simplement envie de quitter la filière de droit et de s'occuper d'un parc d'élevage d'huîtres au fin fond de la Bretagne Nord. Mais, néanmoins, ce n'est pas dans notre habitude, à nous, les juristes, de se défiler ou de fuir les obstacles. Le droit, ça n'est pas de nous. Il fallait donc s'atteler à la tâche immense et exactante qui consistait à engager un mouvement de réflexion intense sur le parallèle poudre de perlimpinpin et la France. Vous comprendrez donc pourquoi, mon cher Pierre-Louis Robert et mon cher Comrondeau, je n'ai pas participé à l'élaboration de notre mémoire sur le métier du droit ce week-end. La poudre de perlimpinpin peut-elle sauver la France? En cette semaine de la francophonie qui approche à grands pas, il est nécessaire, afin de rendre hommage à la langue française, d'expliquer ce qu'est cette poudre de perlimpinpin, d'expliquer son origine, sa signification. Si l'expression poudre de perlimpinpin a connu en 2017 une forte notoriété, tout d'abord après un débat d'entre-deux-tours présidentiel brillant et éclairé, à l'image du peuple français qui ne méritait pas cela. Entre un homme et une femme, pardon, une femme et un homme, qui ressemblaient plutôt à deux adolescents prépubères incapables de déclarer leur amour l'un envers l'autre. Ensuite, après une parodie musicale de la poudre de perlimpinpin sur YouTube, qui a permis à son auteur de percevoir tout de même un revenu de plus de 6000 euros, ce qui pourrait conforter l'idée de certains de se reconvertir dans un autre domaine, n'est-ce pas les infocoms? Il était temps de
civilisation n'est pas principalement issue du monopole de l'intelligence et de la culture jupitérienne. Puisque Jacques Chirac l'avait déjà prononcé en 1979 lors du RPR. D'origine moyenâgeuse, à contrario d'un Emmanuel Macron jeune et dynamique, elle se définit comme un remède jadis vendu par les charlatans et par les polimenteurs, rien à voir avec le paysage politique, prétendument miraculeux. Notre problème revient à dire si oui ou non, un remède miraculeux peut permettre de sauver la France. Si la France a un besoin pressant d'être sauvée, c'est qu'elle connaît, ou va connaître un destin funeste. En toute objectivité, la France va mal. Et pour reprendre la formule du général de Gaulle, c'est la chienlit. Comment la France peut-elle s'en sortir avec d'un côté un déficit public de 3%, une dette publique de 2200 milliards d'euros, un taux de chômage qui oscille entre les 8 et 10%, provoquant l'écroulement de tout espoir et de tout optimisme des jeunes de France, et de l'autre, des personnes qui osent encore porter des chaussettes blanches, des cravates slim fit, des leggings, et qui violent les règles fondamentales de Christina Cordula. Comment la France peut-elle s'en sortir avec d'un côté une crise migratoire sans précédent, un terrorisme affaibli mais encore présent, une dissolution de l'identité de notre nation et de l'autre des individus qui ont l'audace d'écouter du Joule, du MHD, du Maître Gims ou encore du Miska? Comment la France peut-elle s'en sortir avec d'un côté un État qui brise les libertés personnelles et individuelles, un État trop présent qui impose des normes, des réglementations totalement inutiles, un excès de bureaucratie qui empêche l'initiative personnelle, un État qui a oublié la formule de Georges Pompidou, qu'on arrête d'emmerder les Français, et de l'autre, des jeunes étudiants ou des retraités qui se permettent de regarder les tuches la villa des cœurs brisés, ou encore de rire à un Cyril Hanouna insérant des nouilles dans le slip de l'un de ses camarades. Comment la France peut-elle s'en sortir avec une jeunesse incapable d'apprendre la dynastie des Valois, des Bourbons, des Mérovingiens, des Capétiens, des Macroniens, une Europe timide? Une Europe diminuée par la montée des populismes et des extrémismes, et de l'autre, des personnes qui ont l'impunité de déclarer que la loi stipule, et des avocats qui se croient supérieurs au droit lorsqu'il leur est demandé de dessiner des mandalas pendant leur partiel. Bref, depuis des décennies, la France est en perpétuelle faillite. Ce bilan morose de la France peut certes donner envie à un nouveau-né de se pendre, mais il s'agit de la vérité. Imaginons un seul instant, alors, que la France puisse guérir de tous ses maux grâce au remède de la poudre de perlimpinpin, grâce au miracle. Le constat serait merveilleux. Tels d'excellents commentaires de Madame Thérome qui sont de plus en plus rares ces temps-ci. Imaginons donc une France où la vie est belle, où les oiseaux chantent, où nous vivrions nus tous ensemble, où nous gagnerions un revenu universel d'existence, où nous droguerions sans aucune poursuite pénale. Bref, bienvenue à Notre-Dame-des-Landes ou dans ça. Un mauvais ouvrage des Bécas. Il y a alors un obstacle à cette utopie idéaliste. C'est la réalité. Et oui,
cette réalité que beaucoup semblent ignorer. Et voilà pourquoi le titre de père à papa ne peut pas être une solution pour la France. Car il n'y a pas, comme certains le pensent, des miracles, il n'y a pas de prophétie. Non, la poudre de perlimpinpin ne peut pas sauver la France, car prétendre le contraire reviendrait à instaurer une démagogie éhontée au sein de notre société. La République, ce n'est pas d'attendre une intervention divine. Non, la République, ce n'est pas un rêve d'enfant perpétuel. Non, la République, ce n'est ni un reniement, ni un abandon. La République, ce n'est certainement pas la facilité. Non, notre conception de la République, c'est la liberté, c'est le travail, c'est la méritocratie, c'est l'ordre, la sécurité, la justice. C'est une volonté de redressement national par le labeur, par le sang et par les larmes pour sauver la France. C'est un combat de tous les jours. C'est un rassemblement, c'est une union de toutes les forces vives de notre pays, autour de nos valeurs, autour de notre drapeau, autour de notre culture, autour de notre langue, autour de notre histoire, autour de notre identité. Il n'y a que cela. Et il n'y a que cela qui va redresser et sauver la France. Alors, tous ensemble, dès demain, prenons nos responsabilités. Soyons fiers d'être français, soyons en même temps républicains, socialistes, insoumis, patriotes et en marche. Comme le disait Hernanos, ce sont les démocrates qui font la démocratie. Eh bien, c'est aussi le citoyen qui fait la République. Alors, citoyens de France, quel qu'en soit le coût, quelles qu'en soient les conséquences, allons sauver la France pour réinstaurer sa grandeur et faire porter la voix de cette belle France haut et fort. J'ai toujours rêvé de le dire. Vive la République et vive la France! Se rapporte à la chanson de l'icône du rock décédé il y a peu, Johnny Hallyday. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Sachez, messieurs, dames, que la chanson écrite par Michel Berger et chantée par Johnny Hallyday rend hommage non pas au merveilleux état des États-Unis, mais à un auteur de théâtre américain, monsieur Tennessee Williams. Alors la question se pose, que signifie avoir quelque chose en nous de Tennessee Williams? Quoi de mieux, dites-moi, pour notre recherche, que se pencher sur son œuvre? Si Tennessee est populaire en France, c'est parce qu'il est notamment connu pour sa pièce et le film qui en a été tiré, Un tramway nommé Désir. Je vous invite à présent à saisir la noirceur du tableau que je vais vous peindre. Dans un appartement vétuste des quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans, deux pièces principales séparées par un rideau et une toute petite salle de bain. Dans cet espace exigu, Tennessee réussit à mettre en scène un mari violent,
portée sur l'alcool et les jeux de poker, manipulant psychologiquement sa femme justement, jalouse et rancunière, invitera sa sœur à venir s'installer chez eux quelque temps. Cette dernière, malade psychiatrique, nymphomane, menteuse, manipulatrice, espiègle et narcissique, finira par être envoyée à l'asile après avoir détruit le couple qui l'a accueillie. Et pendant que tout ce petit monde se tape sur la figure, la voisine du dessus se permet de tromper son mari et celui-ci est donc poussé à la frapper régulièrement. Autant vous dire que Tennessee Williams ne s'attarde pas beaucoup sur les bons côtés de la nature humaine. Continuons. Doux oiseau de notre recherche, de notre jeunesse, pardon. C'est l'histoire d'un homme qui veut reconquérir son amour d'enfance. Et Tennessee, dans son immense talent, réussit à mêler à cette histoire racisme et corruption, ambition, alcool et drogue, promesses, mensonges, rémunération en nature, chantage, désespoir et pour finir, par lassitude, castration du personnage principal. Continuons, la chatte sur un toit brûlant, ici le sujet sera l'alcoolisme, le mensonge, les secrets de famille, tout cela sur un fond d'héritage et de cancer. Soudain l'été dernier, ce sera le veuvage, la noblesse achetant les services d'un médecin dépouillé, la maladie psychiatrique, la lobotomisation, les traumatismes, les mensonges, la torture et tout cela bien évidemment pour de l'argent. Le théâtre de Tennessee est un théâtre qui met en scène les personnages les plus inadaptés, les plus marginaux, les perdants, les désemparés, les proies du désespoir, de la frustration et des excès. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. C'est peut-être admettre humblement qu'on a tous en nous une partie plus noire, plus sombre. C'est finalement nous remettre à notre place d'homme imparfait, c'est nous pousser en avant, nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, mais enfin, si Tennessee avait voulu nous pousser en avant, nous pousser à dépasser nos défauts, à faire toujours mieux, n'aurait-il pas été plus judicieux de sa part de nous montrer l'exemple? Afin d'élever son public, n'aurait-il pas mieux fait d'élever ses personnages? Non. Au lieu de ça, Tennessee peint à tour de bras des tableaux plus noirs les uns que les autres. Ses personnages sont sombres, avide d'argent, de pouvoir, de luxure, et non seulement Tennessee décrit la nature humaine comme froide et vulgaire, mais il ne la sauve pas. Il condamne ses personnages à la misère et au désespoir. Stanley Kowalski se retrouvera seul, sans amis, sans sa femme et sans fils. Stella Kowalski se retrouvera sans mari, sans sœur, sans logement, sans avenir, et leur fils sera orphelin de père et vivra dans la misère. Blanche Dubois se fera interner, Michel se verra arracher la femme qu'il aime, Chance Wayne se fera castrer, il perdra la femme de sa vie et se retrouvera dans la misère. Céleste Finlay épousera un médecin véreux. Quant à son père politicien, raciste et véreux, lui aussi, conservera sa place au ministère. Tennessee voit le monde agonisant. Et il assassine froidement. Il étouffe les supplications d'un homme implorant d'être soigné. Il éteint les lueurs d'un public ne demandant qu'à être rassuré. Non, messieurs, dames, nous n'avons pas tous en nous quelque chose de Tennessee. Et il est de mon devoir ce soir de faire justice aux Français à qui Michel Berger et Johnny Hallyday ont menti. Le samedi 6 décembre 2017, la France était en deuil de l'une de ses plus grandes figures populaires. Toutes les stations de radio, tous les journaux, toutes les presses en ont fait leur une. Johnny Hallyday est mort. Sur TF1, un hommage titanesque a été organisé. Jean-Pierre Pernaut a dû se réveiller à l'heure pour faire, durant 6h35, une émission d'hommage au chanteur. La RATP a transformé sa station du rock en du rock Johnny. La ville de Limoges a passé en boucle la musique du chanteur sur la place de la mairie. L'hôtel de ville de Poissy avait mis les drapeaux en berne en l'honneur du rocker. Les plus grandes stars de la chanson française ont rendu hommage au célèbre chanteur. Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Céline Dion, Matt Pokora, tous ont répondu présent. La France est dans un jour sombre. Et une seule question reste sur les lèvres. Va-t-il
y avoir un hommage national. La réponse ne se fait pas attendre. L'Élysée explique que c'est à la famille Hallyday de décider. Laetitia à la France entière pendue à ses lèvres et Macron couché à ses pieds. Finalement, la décision est prise. Le défunt, le corps sans vie du défunt traversera Paris, escorté par un balai de motards. Des écrans géants diffuseront la célébration partout dans les rues. Macron aura un instant de parole et pour une fois, la laïcité ira se faire voir. Elle qui n'a jamais réussi à mettre à mal le seul homme public portant une croix large comme la main. Nous avons rendu hommage à un homme célèbre, nous l'avons célébré comme un illustre, et pourtant. Ce soir, je prends la défense du peuple français. Ce soir, je prends votre défense et je mène un combat sans précédent contre le mensonge d'un homme qui en a fait fortune. Mensonge, oui, car nous n'avons pas, et nous ne devons pas avoir tous en nous quelque chose de Tennessee. Cette force en nous de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie serait en nous, c'était ses mots à lui. Non ! Ne vivons pas une autre vie, vivons la nôtre, misérable peut-être, mais vivons-la avec espoir. Ne prolongeons pas la nuit, faisons naître le jour. Vivons comme si demain n'existait pas. Vivons jeunes, vivons vieux, vivons sobres, vivons ivres, vivons couchés ou cachés, peu importe comment, mais vivons. Non, monsieur Berger, non, monsieur Hallyday, nous n'avons pas tous en nous cette force qui nous pousse vers l'infini, où il y a peu d'amour avec tellement d'envie, où il y a peu d'amour avec tellement de bruit. Nous avons en nous l'amour, de l'amour à foison, à profusion, de l'amour passion, de l'amour raison, de l'amour caché, de l'amour clamé, de l'amour ami, de l'amour folie, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voici donc que j'accuse messieurs Michel Berger et Johnny Hallyday de mensonges, affabulations et tromperies à l'égard du peuple français. Et je vous invite, messieurs, dames, à vous révolter vous aussi, car nulle raison ne pourrait justifier le mensonge même lorsque celui-ci est joliment chanté. Messieurs, dames, ce n'est que le début d'un long chemin vers la vérité. Faut-il s'arrêter là ? Non, bien sûr, car il n'en est pas encore fini des menteurs. Je ne nie pas l'existence des mensonges du quotidien. Il y a des mensonges qui nous font rêver le Père Noël, la petite souris, les cloches de Pâques ou les bisous magiques. Il y a aussi des mensonges auxquels on veut croire. Promis, dimanche, on va courir. Une bière et j'arrête. Demain, 10h à la veille. Et puis, il y a des mensonges auxquels on ne croit plus. Cette année, je fais des fiches. À ce semestre, je ne loupe pas de cours. Je suis prête dans 5 minutes. Le réel danger ne se trouve pas dans les mensonges du quotidien. Le réel danger se trouve dans le mensonge public. Le réel danger se trouve dans le mensonge qui trompe le peuple. Le mensonge qui vous trompe. Mais ensemble, nous irons au-devant de ce mensonge populaire. Et nous ne nous laisserons pas duper. Car comme dit l'adage, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes. On peut tromper une fois une personne. Insurgez-vous, messieurs, dames, car le mensonge public est un crime d'État. Et il est du devoir de la justice de le juger. Menteur, menteuse, mentira bien. Qui mentira bien ? Un homme est-il heureux, vaut-il mieux qu'un intellectuel torturé ? Dans l'histoire d'un bon Brahmin, Voltaire oppose un Brahmin, un intellectuel torturé par son questionnement sur la vie et la connaissance, à une vieille femme, sa voisine, simplette, qui vit sereine et bienheureuse. Il fait dire au Brahmin : je me suis dit 100 fois que je serais heureux si j'avais été aussi sot que ma voisine. Et pourtant, je ne voudrais pas d'un tel bonheur. Pourquoi ? Voltaire répond quelques lignes plus loin, en soulignant la contradiction de la situation, que même si c'était insensé que de préférer le bonheur à la connaissance, il ne connaît personne prêt à renoncer à son esprit pour vivre dans la béatitude. Et il conclut son récit par ces mots. Comment donc cette contradiction peut-elle s'expliquer ? Comme toutes les autres, il y a là de quoi beaucoup parler. Eh bien, mesdames et messieurs, plus de 2 siècles après la publication de cette œuvre, c'est à la réouverture de ce débat que nous convie aujourd'hui
la question que nous devons examiner. Un imbécile heureux vaut-il mieux qu'un intellectuel torturé? Il serait aisé et confortable de se retirer derrière la pensée voltairienne et de reprendre avec respect et déférence les mots du grand maître à penser. Mais ce serait là paresse intellectuelle et détournement de la pensée du philosophe qui nous engage, par la fin de son compte, à débattre de cette question. Et cela, effectivement, n'est pas inutile car les temps ont changé et notre époque n'est plus celle de Voltaire. Un intellectuel reste un intellectuel et un imbécile, me diriez-vous. Il y a des évidences qui ne changent pas. Et vous auriez raison. Ce n'est pas le sens des mots qui change, mais c'est l'époque dans laquelle ils sont employés. Ainsi, quand Voltaire affirme qu'il est préférable de garder et d'entretenir son esprit plutôt que de pouvoir accéder au bonheur, il ne faut pas oublier que nous sommes au XVIIIe siècle et que les philosophes des Lumières se battent pour faire accepter la primauté de la raison, de la connaissance, de la réflexion sur toute autre forme de jugement et de sentiment. Pourtant aujourd'hui, si la réflexion et la connaissance sont des valeurs pour lesquelles il faut toujours se battre, leur accès et leur diffusion ont quelque peu changé la définition du terme intellectuel. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, nous sommes tous des intellectuels, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui faisons, pour la plupart du temps, usage de notre réflexion et de notre raisonnement pour envisager la réalité. Pour permettre au plus grand nombre d'entre nous de développer ainsi notre intellect et de faire fuir l'ignorance, la diffusion de la connaissance a été l'arme absolue. De l'encyclopédie au XVIIIe à Internet aujourd'hui, elle a permis au plus grand nombre d'entre nous de développer notre esprit critique et notre raisonnement sur un mode inédit depuis le début de l'humanité. Voltaire et ses confrères doivent s'en réjouir au plus haut point lors de leurs conversations posthumes. Aujourd'hui donc, la connaissance est à portée de clic. Les informations nous sont apportées quasiment en temps réel sur nos smartphones. Michel Serres fait les louanges de ses moyens, en affirmant qu'il nous condamne à devenir intellectuels. Certes, il a raison, et nous ne pouvons que louer ces opportunités qui s'offrent à nous. Cependant, force est de constater que ces informations, analyses pléthoriques, nous plongent aussi dans une forme d'angoisse existentielle. Nous sommes saturés par les analyses et réflexions, non seulement des médias de nos penseurs contemporains, mais aussi par de simples quidam sur les réseaux sociaux. Notre pensée est sans cesse sollicitée, stimulée, enrichie, soumise à la controverse, jusqu'à parfois ne plus pouvoir la supporter. Nous ne vivons plus la réalité. Nous l'analysons sans cesse, la disséquons, pour ensuite la liker, tweeter, instagrammer, partager. Aujourd'hui, nous sommes tous dans cette situation paradoxale. Enrichis par tout ce que nous apportent les nouvelles technologies, nous sommes aussi fragiles devant l'abondance qu'elles nous proposent. Et nous nous éloignons du bonheur. Nous analysons avant même de jouir de l'instant. Nous sommes tous des intellectuels au sens où nous l'entendons aujourd'hui, comme des personnes qui réfléchissent et analysent. Beaucoup d'entre nous, torturés par la pléthore d'informations, sombreront dans des mots dont le 18e n'avait pas les mots. Burn-out, dépression, insomnie sont devenus les corollaires de notre trop grande intelligence. Nous sommes des bramins impuissants et soumis à l'information en continu, et c'est cette absence de tri, de choix, sans doute, qui est cause de notre mal-être contemporain. Est-ce à dire que Voltaire, aujourd'hui, changerait sa façon de penser et choisirait le bonheur et la sottise plutôt que l'esprit? Il faut espérer que non, car l'esprit et l'intelligence, l'accès au plus grand nombre à l'esprit critique et à la réflexion, doit rester une des priorités de notre société. Doit-on alors à tout jamais renoncer au bien-être et sombrer dans la mélancolie? La félicité serait-elle donc irréductiblement séparée de l'intelligence? Et pourtant, c'est bien l'accès au bonheur que réclame haut et fort notre société. Pour s'en convaincre, promenez-vous dans les rayons d'une librairie et comptez le nombre de livres dédiés au développement personnel. Lisez les titres ensuite. À coup sûr, votre cerveau, fatigué par la pléthore d'informations et de connaissances qu'il se doit d'ingurgiter, sera revigoré par le souffle du bonheur facile et prêt à l'emploi qu'ils promettent tous. Trêve d'ironie, à côté de ces gourous mercantiles se trouvent des maîtres à penser qui nous enseignent que le bonheur, ou tout du moins une certaine forme, est accessible à tous.
et n'en déplaise à Voltaire, sans même avoir à renoncer à notre esprit, au contraire. Plus besoin d'être un imbécile pour prétendre à une certaine félicité. C'est l'esprit qui nous permettrait d'y accéder. C'est en l'entraînant, en le forçant à la concentration et à la réflexion, qu'on parviendrait à la sérénité. Le paradoxe, c'est que c'est sans doute dans notre monde contemporain l'exercice le plus compliqué auquel nous le convient. Rester immobile, ne pas sauter d'une idée à une autre, ne pas se jeter sur toute information, mais au contraire laisser venir. Observer, lâcher prise sur la réalité, serait la recette du bonheur, l'antidote aux maux que nous évoquions tout à l'heure. Rien de nouveau pourtant, et tout cela est emprunté aux maîtres à penser et aux sages orientaux qui, tout le monde, et même Voltaire en conviendra, sont loin d'être des imbéciles. Ils sont même pour beaucoup l'archétype de l'intelligence suprême. Le Dalai Lama, à la fois engagé par son combat pour la liberté de son peuple et grand maître de sagesse, en est la preuve. Il ne cesse de prôner la sérénité et la paix. Il nous explique comment parvenir non pas au bonheur suprême, constant et absolu, car celui-ci est un mythe qui nous détruit, mais à la joie de l'instant présent, par une discipline de l'esprit. Et voilà, mesdames et messieurs, réunis dans la même phrase, les deux aspects de notre équation a priori irréductible. L'intelligence et le bonheur. Ce que nous en apprennent ces grands maîtres zen, c'est que justement, elles ne sont pas ennemies, mais complémentaires. Certes, me diriez-vous, mais Voltaire, qui lui non plus n'est pas connu comme l'archétype de la sottise, devait savoir cela. Alors pourquoi n'a-t-il pas proposé cette solution si elle paraît si simple? Eh bien tout simplement parce que Voltaire avait pour but, comme tout philosophe, non pas de donner des réponses toutes faites, mais d'engager l'esprit à progresser en se posant des questions. Son recours aux apologues, dans lesquels il simplifie la réalité, est un procédé didactique que tous les enseignants connaissent bien pour stimuler l'esprit de leurs élèves. Et c'est précisément ce que nous faisons ce soir. Ainsi, vaut-il mieux un imbécile heureux qu'un intellectuel torturé, me semble, à l'issue de ma réflexion, une fausse question, un prétexte, qui, tout comme l'apologue de Voltaire, avait pour but de nous lancer dans le débat et de découvrir que nous n'avons aujourd'hui finalement pas besoin de faire face à ce dilemme. Bonheur ou intelligence, pourquoi choisir puisque nous pouvons prétendre aux deux? Puisque l'un et l'autre peuvent être complémentaires, même dans notre société. Comment? Les voies de la sagesse sont nombreuses pour y en mener. Mais finissons comme nous l'avons commencé, en donnant la parole à Voltaire. À la fin de Candide, alors que celui-ci a beaucoup voyagé, appris, analysé, réfléchi sur le monde de la réalité sans trouver le bonheur, il se retire dans une petite métairie. À ses amis, qui lui demandent quelles sont les conditions du bonheur, il répond « Il faut cultiver son jardin ». Alors, mesdames et messieurs, cultivons notre jardin. Retournons, bêchons, fertilisons sans cesse le terreau de notre esprit en le stimulant par tous les moyens que notre société nous offre. Mais n'oublions pas de lui apprendre à respecter les rythmes de sa nature, à le laisser s'épanouir sous le soleil et à reposer sous la neige. À lui enseigner comment jouir de l'instant tout simplement. Ainsi, dans le jardin de notre esprit, pourront cohabiter tranquillement l'intelligence et le bonheur.